eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light. Allez, de retour pour donc un des derniers matchs de la LAN de rattrapage, hein, comme vous avez pu suivre éventuellement le début de cet événement. Alors, pour vous faire un petit rappel, remise en contexte, on a donc des équipes qui sont venues à cet event SFCO pour disputer une LAN de rattrapage. Les 5 premières équipes de cette LAN de rattrapage se qualifient pour les playoffs. Donc on aura un total de 12 équipes pendant ces playoffs. On a les équipes donc comme Red World, etc., comme Delirium qui sont déjà arrivées depuis un moment. Et on a les Overtime, effectivement, Overtime voilà, qui ne faisait pas partie des playoffs, qui a pour seul objectif, j'imagine, forcément, de se qualifier pour ces playoffs et de venir chercher un podium. Voilà, ils vont jouer un match contre KSK Alliance. Les joueurs sont déjà dans le lobby. Donc on aura Fleco, Tido, RZ1 et Vista côté KSK. Et côté Overtime, on a Reflex, Swirzo, Abusa et Neyaz, effectivement. Neyaz, putain, je le vois partout, Neyaz. Il a joué pendant un moment avec des Espagnols, j'ai pas de bêtises. Il est revenu un petit peu après avec des Français. Et donc maintenant, chez Overtime avec cette équipe. Voilà, une équipe qui, pour moi, pourrait... voilà, ne fait pas figure d'outsider du tout, hein, justement, dans cet événement. Au contraire, je pense qu'ils ont quelque chose même à prouver. C'est une équipe, voilà, avec 4 joueurs que l'on connaît bien, quand même, hein, sur cette scène challenger française. Des joueurs qui sont là depuis assez longtemps, hein, principalement du côté de Reflex, qui fait des LAN maintenant depuis 4-5 ans. Donc voilà, pas de surprise pour le moment. Je m'attends à avoir une victoire des Overtime normalement sans surprise. Voilà, on peut quand même. On n'est jamais à l'abri d'un upset. On va pouvoir lancer, je pense, on est prêt. Et on va commencer du coup sur un HP sur Arden Forest. Du coup, on a le veto justement à l'écran. Donc un HP Arden Forest pour commencer. Voilà, je suis en train juste de régler. C'est l'autre ? Comment ça, c'est l'autre ? Ok, très bien. Donc je regarde un petit peu le Pikeban, on peut voir que la CTF du coup on jouera sur Flak Tower. Et voilà, donc c'est un HP London Dogs, ok, autant pour moi, et donc ce sera le deuxième HP sur Arden Forest, très bien. Parfait, donc HP London Dogs, première map du coup de ce match, on est sur un BO5 et on est prêt pour pouvoir lancer cette game. C'est parti les amis, best of 5, donc HP London Dogs, SND Arden Forest, Flak Tower en CTF, à nouveau Arden en HP et SND Sainte-Marie du Mont. Donc on a un best of 5 avec quand même un total de 4 maps différentes, ce qui est plutôt... plutôt une bonne chose, je trouve. C'est vrai que voilà, on va avoir un petit peu de variété. Alors, je sais pas si on ira jusqu'à la game 5, mais en tout cas, c'est une très bonne chose. Allez, on va pouvoir partir. Salut à tous ceux qui sont dans le chat et qui nous regardent, évidemment. Merci à vous d'être présents. Salut Release, hein, salut Worky, salut Kaysik, salut tout le monde. J'espère que vous êtes chauds. On a un beau match, justement. Demi-finale du Winner Bracket pour savoir qui des KSK ou des Overtime se qualifiera directement au playoff. Et on va partir sur cette HP dans quelques instants. Allez, c'est parti, 20 secondes, Swirzo, Reflex, Abusaneyaz, comme on l'a dit, contre RZ, Antido, Vista et Fleco. Ouais, des joueurs que vous connaissez, j'imagine bien, hein, du côté Overtime. Et voilà, côté KSK, on aura le spawn top map. On va partir donc côté allié, côté Overtime. Forcément, moi j'ai un petit peu envie de revoir des joueurs que j'ai beaucoup eu l'habitude de voir évoluer les années précédentes. Et je vous propose peut-être de partir directement sur une des SMG... des SMG de cette équipe. Voilà, éventuellement Swirzo peut-être, hein, qui a l'air d'être à la RSI. Neyaz, voilà, éventuellement à la SMG ici avec 7
PPSH, c'est parti donc pour aller chercher ce P1, voilà, qui est fait directement avec le kill de Suarez. On arrive à récupérer ce point. Suarez qui est tombé derrière sous les balles de Tido. Neyaz, voilà, qui n'est pas dérangé pour le moment. Le slay, la partie quick pick a l'air d'être plutôt bien effectué. Réflexe qui va prendre un bon kill. Neyaz qui enchaîne sur le double. Et ce niveau de ce P1, c'est très bien fait de la part de Overtime, qui prennent tout de suite le lead dans ce début de map et qui mettent la pression sur les épaules des KSK. On rappelle un match qualificatif pour les playoffs. Le perdant aura encore un match à remporter pour se qualifier au playoff dans un loser bracket très relevé. Attention à Tido ici, voilà, qui a permis à son équipe de récupérer le point. Réflexe qui a fait un bon double kill. Les joueurs qui se neutralisent pour le moment, et ce sont les Overtime qui finissent par récupérer un nouveau SP1. Voilà, un très bon début de carte de la part de ces joueurs. On voit qu'en plus on est en train d'aller chercher le spawn P2 du côté de Reflex ici, qui va avoir un duel très important contre Fleco. Mais ce dernier était solide avec cette barre et va permettre au KSK de normalement posséder tout simplement ce point à son début. On va voir ce que ça donne du côté d'Abusa ici, qui va avoir un gros duel, qui va même faire le double et qui va changer la donne ici au niveau de ce P2. Le London Bus qui est bien contrôlé, et cette grande rue également par l'équipe des Overtime. Pour le moment on est assez tranquille. Abusa qui regarde le cross ici au niveau du mid, et pour le moment voilà, c'est bien lead de la part des Overtime. Abusa qui va prendre encore une fois un kill. Réflexe qui enchaîne derrière. On s'attend à voir du monde arriver du middle, mais on sera assez tranquille à ce niveau là on contrôle bien le bus du côté des Overtime. C'est très très propre hein, ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, ils ont le haut de la carte, ils ne le lâchent pas. Vista qui va avoir un duel important ici, mais il se fait mettre très très weak. On voit que c'est compliqué pour les KSK Alliance, pardon, de venir break ce point. Et Abusa encore une fois qui va être solide dans le point. Tous les joueurs individuellement font un gros début de carte, et c'est ce qu'il fallait hein, côté Overtime, pour tout simplement eh bien, mettre la pression encore une fois sur les épaules KSK dès le début de cette carte. On rappelle un HP, je dirais pas décisif, mais déjà très important pour savoir un petit peu quelle équipe sera la mieux partie pour se qualifier au playoff. Puisque ce match, on verra directement une des deux équipes dans l'arbre final composé de lui-même 12 équipes. Allez, c'est parti, ce P3 au niveau des quais, voilà, qui pour le moment est contrôlé de la part des Alliances avec Tido ici qui va prendre le côté gauche de ce P3. Neyaz qui va déjà prendre un kill sur RZ. Alors, attention, ça peut arriver des deux côtés, on a split spawn du côté des Overtime. Allez, Abusa qui va faire le kill sur Vista. Et attention, peut-être ici le bait and switch. Et non, même pas besoin. Neyaz qui va rentrer, qui va break directement ce point. C'est bien fait. Le kill de Suarezo et de Reflex pour appuyer son move. C'est parfait. Le full team qui est mis de la part d'Overtime. On va revenir contrôler le point d'Ox. Neyaz et Reflex qui sont dans le point pour le moment. Côté Overtime avec Tido qui va essayer de passer par la street. Ça va être compliqué. On a du monde qui se trouve au niveau de la bière. Il va essayer de passer dans le dos. C'est plutôt bien fait de la part de Tido qui va finalement se concentrer sur le prochain point. Il aurait peut-être pas dû, parce qu'au final Abusa a réussi à faire son kill dans le point, et ça va permettre à Overtime de conserver tout simplement ce P3. Gros kill de Tido tout de même au niveau de la bière ici. Pour le moment les cakes sont toujours maîtrisés, voilà, par l'Overtime, et appuyé ici sur un gros triple kill grâce à ce kill de Reflex à la barre dans le point, et qui enchaîne sur le double kill avec le kill de Visca. C'est parfaitement fait du côté des Overtime qui mènent maintenant de quasiment 100 points dans cet HP London Ox. Pour le moment c'est une domination sans appel de la part des favoris de ce match. Tido qui va essayer de break peut-être par le mid ici, qui va rentrer dans le point. Ça va être compliqué pour lui, il est assez esselé pour le moment. Attention, les streaks en plus qui ont été envoyés de la part de Overtime, et tout de suite le kill qui est fait de la part de Reflex. Abusa qui enchaîne derrière le double kill, triple kill maintenant réalisé de la part de Overtime. Reflex et Suarezo dans le point toujours avec Vista qui va essayer de break le kill sur Abusa qui est fait. Reflex qui va garder le back, et Vista qui va se faire calmer par Suarezo. On est tranquille côté Overtime. On va pouvoir souffler deux petites secondes. Il va y avoir une nouvelle phase de jeu dans quelques instants. Encore 25 secondes à tenir au niveau de ce P4 pour les joueurs Overtime. Suarezo encore une fois sur un double kill. Suarezo qui va bientôt atteindre la barre des 10 kills. Ça a déjà été fait de la part de Reflex qui est à 12. Abusa qui est à 10 pour le moment. Ça déroule du côté des Overtime. Allez, double kill encore une fois qui est réalisé de leur part. Ils sont encore deux dans l'ancien point. Maintenant il va falloir se diriger forcément sur ce P5 qui est très dur à contester. Surtout quand il est bien contrôlé à l'origine. Et là on peut voir que pour le moment le setup des KSK est plutôt bon. Mais attention, les kills qui sont faits côté Overtime qui sont en train de chambouler, tout ça, pardon. Tido et son coéquipier, il me semble que c'est RZ1, oui, qui viennent de bad spawn tous les deux, et même tous les trois avec Vista, puisque les kills ont été faits de la part d'Overtime. Et forcément on va récupérer le haut de la carte, et ça y est, Abusa qui vient de good spawn, le double kill de Reflex, le double headshot de Suarezo, et ça y est, les Overtime qui récupèrent à nouveau ce point. Le streak qui n'a pas fait 2 kills, on l'a vu, je pense que c'était avec la protection hein, forcément du respawn. Et là encore une fois le double kill de Reflex qui déroule complètement sur cette carte, qui va se faire enfin calmer par Azadar, mais qui a au passage débloqué tous ses score streaks. Aïe aïe aïe, ça devient compliqué là pour KSK. Forcément on peut le voir sur cette map, mais ils sont en train de se faire un petit peu rouler dessus. Voilà, le triple kill ici qui va peut-être essayer de les remettre un petit peu dans le bas. On voit qu'RZ1 essaye tant bien que mal de sortir un petit peu la tête de l'eau. Il est en 13-13, mais ses coéquipiers, notamment Tido et Fleco, qui ont beaucoup de mal à suivre. Pas encore atteint la barre des 10 kills pour ces deux joueurs. Et on manque surtout de présence dans le point. Et forcément, le score en dit long, 200 maintenant à 3960 points d'avance pour l'Overtime. Et Reflect qui prend le kill sur RZ dans ce perso qui va tomber sur les balles de Tido. Fleco qui tombe également
Et encore un triple kill réalisé de la part d'Overtime, un kill n'arrive jamais seul, j'ai l'impression, hein. De leur côté, RZ1 qui va prendre le bon kill ici, hein. Il a l'air individuellement d'être au niveau, hein, dans cette carte avec sa barre, mais pourtant ça n'est pas suffisant pour leur permettre de rivaliser. Voilà, le fighter pilot d'Abusa qui va partir et qui va venir faire ce kill sur RZ1, Neyaz et Spurzo qui vont réaliser les kills derrière Spurzo sur le double ici à la PPSH, 15-12 pour lui, 29 pour Reflex. On est en train de dérouler complètement, c'est une... comme je l'ai mis, vraiment une domination à sens unique dans cette carte. Il n'y a vraiment qu'une seule équipe, hein, sur le Underdogs pour le moment. Et voilà, encore une fois, le moins 4 qui est mis sans difficulté. Les Overtime devraient s'imposer sur ce P1. Pas besoin même d'aller chercher un P2, je pense. Voilà, 240 à 41. Il leur manque maintenant une dizaine de secondes. Il reste 15 secondes à jouer sur cette statue. RZ1 peut-être pour le contest, le dernier contest. Il va prendre le premier, le deuxième kill. Voilà, il va retarder simplement l'échéance avec ce double kill. Puisqu'ici, c'est Swerzo qui devrait venir mettre fin à cette carte sans difficulté. On a même arrêté de jouer du côté d'RZ1 alors que pourtant on est qu'à 249 et finalement on partira bien sur un P2. Mais ça y est, c'est fait. Les joueurs de Overtime qui remportent cette carte sans problème. 250 à 41, quelle belle victoire de la part des Overtime qui s'imposent vraiment sans aucune difficulté et qui bien vont tout simplement mener 1-0 maintenant dans ce best of 5. Il n'y a pas de souci, je me suis dit j'ai un petit break pour boire, pas du tout apparemment. On enchaîne direct, bon c'est parfait, on va pouvoir partir donc sur cette recherche et destruction entre Overtime et KSK. Comme je vous le disais avant le match, même sans forcément avoir eu l'occasion de commenter les précédents événements Challenger, on s'en doutait, Overtime qui est favori. Voilà, c'est quand même une squad, rien que la squad parle d'elle-même je pense, on a juste à voir un petit peu le nom des joueurs etc. pour vite comprendre que les affaires des KSK seront corsées. Et du coup, voilà, on va pouvoir programmer tout ce SND. On rappelle qu'on sera sur Arden Forest, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Alors, on va donc juste régler la carte, faire les règles, et on pourra partir tout de suite. Arden Forest, elle est là. Ok, on va voir les deux équipes à l'écran avec un coach de chaque côté tout de même. Qui sont dans le lobby, tout le monde est prêt, je pense qu'on peut lancer directement, on va juste attendre la confirmation. Ça va être compliqué, je viens de voir ça. Est-ce que je peux mettre le truc où on les entend comme? Ouais, je vais mettre ça dans la SND si vous voulez. On mettra le listen-in pour toi. Ça s'appelle le listen-in, hein, du coup, hein. ça vient de l'anglais, hein, tout simplement, listen-in. Donc entendre les gens quand ils sont in-game. Est-ce qu'on est ready? On va tout simplement attendre la confirmation, mais normalement ça devrait être bon. J'ai l'impression que tout le monde est dans la game, c'est parfait. On va pouvoir partir sur cette recherche et destruction. On le rappelle, 1-0 pour Overtime après cet HP London Docks très facilement. Et Overtime donc qui se lance dans cette SND avec eh bien tout simplement un lead dans ce best of 5. J'ai mis une CTF, y a pas de souci, on va relancer, c'est pas grave, on n'est pas pressé. On est pas en retard. Bon, ça va. Cool, pas de souci. Comme vous pouvez le voir, hein, dans le chat, les amis, n'hésitez pas à aller participer au giveaway de la semaine, hein, tout simplement. Côté SFC, donc 400 euros de lots à gagner, dont un écran Viewsonic, un sac Prozis également. On a des lots FSP, Scuf Gaming et autres, hein, dans ce pack. Donc n'hésitez pas à aller participer à ce giveaway. Le tirage au sort sera effectué mercredi. Alors, on va lancer vite fait juste pour mettre la SMD. Et on partira sur cette deuxième map. Allez, c'est parti. Ah bah parfait. Allez, SND Arden Forest, du coup cette fois c'est la bonne les amis. Avec qui d'Overtime ou de KSK va réussir à remporter cette deuxième map. Déjà un enjeu important là pour les KSK qui peuvent
être mené 2-0 à l'issue de cette simple SND. Donc il va falloir tout simplement être solide pour essayer de revenir au score, même si voilà, on sent quand même que y a une vraie différence de niveau entre ces deux formations. Et on va voir si cette SND va le confirmer. Allez, on va partir donc sur cette première manche. On va attendre un petit peu quand même avant de faire le listening, mais ne vous inquiétez pas, vous en aurez pendant cette SND. On va attendre peut-être que l'overtime soit en attaque, histoire de voir un petit peu ce que ça donne sur leur manche offensive. Tidou RZ hein, tout de suite, hein, côté KSK, qui vient essayer de calmer les ardeurs overtime après cet HP largement important. On le rappelle, 250 à 41 pour tout simplement essayer de venir chercher cette première manche des SND avec deux bons kills. Situation maintenant de 3v2, puisque le kill a été fait du côté overtime. C'est Swerzo qui a pris le meilleur sur Fleco, situation donc de 3v2, comme on le disait, à l'avantage KSK qui ont en plus eu l'occasion de poser la bombe. Vista qui vient de prendre le kill sur Abusa, et voilà la première manche qui est clean directement de la part des KSK, et ça fait 1-0 dans cette recherche et destruction, pardon. Allez, deuxième manche qui va commencer maintenant. Les overtime qui sont en attaque. Et on va se mettre tout de suite sur le porteur de bombe qui est Swerzo, comme on peut le voir. Est-ce qu'on a du sniper peut-être éventuellement côté overtime? En tout cas, j'en ai vu côté KSK. On a vu une petite. Je crois avoir vu une petite balle de sniper passer. C'est bien ça, c'est RZ hein, qui a sorti le sniper. Les smokes hein, qui ont été sortis, ça c'est bien fait. Vista et Tido tout de suite qui vont prendre les kills. Attention, peut-être une équipe qui nous a caché des talents en SND. J'ai pas eu l'occasion encore de les voir moi depuis le début de l'événement, mais. Apparemment, ils ont l'air de plutôt bien se débrouiller, surtout sur cette carte. Et déjà 3 kills de réaliser. Abusa qui se retrouve dernier en vie. Je crois qu'il n'a pas été vu. Et ça y est, il va faire le premier kill tout de suite. Il se fait repérer. Forcément, il doit rapidement enchaîner la bombe qui n'est pas en sa possession. Et c'est là que ça va devenir compliqué pour lui. Il va avoir Tido quand même dans sa ligne de mire. Et le kill sera pris. Et du côté d'Abusa, situation maintenant d'un V2. Une bombe à récupérer. On coupe une rotate hein, du côté de Vista là, qui garde tout simplement le bac pour s'assurer que le joueur. Et overtime ne passe pas en A. Il va prendre le troisième kill ici sur cette situation d'un V4. Attention, Abusa qui est en train de réaliser l'exploit. Et on se donne un par un là du côté des KSK. On aurait pu le rusher à 3 ou même à 2 là depuis un petit moment. Et Abusa maintenant qui va retourner la situation à son avantage en posant cette bombe. Et maintenant 45 secondes pour essayer de venir la chercher du côté de Fleco. Un peu moins content le temps de la diffuse. On va dire qu'il a 30 secondes pour prendre ce désamorçage et le mener à bien. Ça va être très compliqué d'aller jusqu'au bout là pour Fleco. Abusa qui garde tout simplement sa bombe, il la check assez régulièrement et il a bien raison. Pour le moment il est assez tranquille, il va check ce middle. Je ne sais pas s'il a été vu en revanche par Fleco. Fleco qui arrive du bon côté. Attention à Abusa, Abusa qui a peut-être eu l'information. Ça y est, le joueur de Vertime qui a repéré le joueur des KSK. Ils vont se battre en duel ici. C'est finalement le joueur de Vertime qui va réaliser l'1v4 dans cette recherche et destruction. Quel 1v4, qu'est-ce que ça a été bien maîtrisé de la part d'Abusa qui a fait les kills en temps et en heure, qui est allé chercher la bombe au bon moment, qui a clean ce mid, qui a clean ce cross, et c'est le 1v4 qui est fait de la part d'Abusa. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part du joueur belge. Et ça fait un partout. Quelle manière d'égaliser là hein, pour les overtime. On ne pouvait pas rêver mieux forcément, et ça ne risque pas d'arranger les affaires des KSK qui étaient déjà bien compromises après l'HP. On le rappelle, largement remporté, forcément. Ça va au contraire compliquer les choses là hein, pour nos KSK qui en plus concèdent l'open kill pour la première fois là dans cette SND sur la troisième manche. Et situation du coup de 4v3 à l'avantage de l'overtime. Swerzo qui va prendre le kill ici sur Tido et RZ hein, qui va tomber aussi sous les balles de Swerzo. Ça fait une situation d'un V4 et je vois mal Fleco imiter l'exploit réalisé par Abusa juste avant. Il va se retrouver ici en attaque, mais la bombe est à l'opposé de lui, elle est sur ce BPA, les 4 joueurs overtime qui partent à la recherche du dernier joueur KSK. Et Fleco qui va venir ici croiser un joueur overtime et finalement ne pourra pas remporter ce duel. Et ça fait donc 2-1 pour les overtime qui prennent le lead dans cette SND.
Allez, quatrième manche, je vous propose peut-être d'en profiter. Les overtimes sont en attaque, on va les écouter tout de suite. Comme top 2 et puis je vais voir ce qu'on fait genre. Fais gaffe, il y a un mec cercle. Ouais, je sais, mais je la mets juste top 2. Rien vu mid. Y'a un mec cercle ou pas? Y'a un mec au scope. Mec cercle, un mec cercle. Back pick 4 week. Nice. Y'a un mec back pick 4. Back pick 4. Tempo, tempo, Nia, c'est ultra week. Tempo, tempo, tempo. Il est dans le trou P4. J'ai vraiment tout le fond, mais genre. Ok, je vais rester JB après. Prenez. Non, j'y vais. Vous voulez pas qu'on recule? Et y'a un scope. Non, mais y'a un scope, y'a un scope. Alan, t'as la bombe. Ah, fallait pas reculer, les mecs. J'ai la bombe. Moi, je recule pas, t'inquiète. Ça me tire dessus, mid. Ok, j'ai ton mid. Fire, weak, Fleco, fire, Fleco. Et Mathieu, vista. Il est weak, ils sont 2000, T'en as 2000. Allez, essaie de gagner du temps après. Tu l'as vu? Les deux, ils étaient mid. Super le taf, Niaz. Nice, Niaz. Par toi, Alan. Alan, il est super long en face de toi. Jouez vos stricots, 330 points, c'est qui a planté la bombe? C'est moi. Ok, bah, j'ai strict, toi. Par toi, Niaz. Recheck. Non, j'ai pas eu. Recheck. Ah, c'est bon, non, t'inquiète. Ok. Allez, GG. Bien, oui, GG. Super. Niaz, t'as fait un taf de ouf. GG, réflexe, gros taf. Abus. Bien, oui. Ouais, j'ai fait de la demeure. Dès qu'il a posé, j'aurais dû reback. Ouais. Non. En fait, on aurait même pas dû reback parce que, genre, ouais, on aurait pas dû reback. En fait, j'ai paniqué. Genre, j'étais mid, j'ai fait, ouais, je suis trop mal. Ok, cette fois-ci, je vais. Tu veux que je prenne ton mid du coup, Alan? Non, c'est que si c'est Na. Si je pense que là, je vais retourner fond. Ah, normalement, je vais pas refaire la même erreur parce que j'ai fait les. Abus, main nade, genre, là, direct. Même si c'est pas une B, main nade. Ok. Comme ça, au moins, ils sont weak. Et je crois que c'est pas une arme. Mid. Ah, on avait fait. J'ai mis une nade sur. J'ai sauvé un mec. Il est weak, il est mort. Nice, réflexe. Tu fais grave le taf avec Gazo. Il y en a un tank fire. J'ai le contrôle église. J'ai le contrôle église. Niaz, est tout le contrôle église. Fire une balle. Niaz va le tuer. Je suis trop con. RZ1 église, les gars. Je suis trop con. Je resserre sur vous. Il est weak une balle. Ok, RZ1, tu l'as vu? Weak. Est-ce que je garde le. Côté bunker. Vous l'avez coincé là, vous avez pas besoin de pêche. Nice, Niaz. J'ai gros. Eh, je fais que des acides dans la game, c'est un truc. Niaz, on dirait que t'es bourré quand tu check, frère. Tu fais des. Ouais, j'avoue. Et bah, il a fait quoi alors? Ça fait longtemps que t'es plus d'équipe, t'as plus l'habitude de check. Oh. De check quoi? Mmh. De check. Oh, joueur FA. Allez, bref, vous baisez mes. Ouah, joueur SND. Oh, c'est bon, manière. À l'aise, t'es un overtime. Ouais. T'es de la famille. Oh. Vas-y, on va où là, les mecs? Je suis un mestre, quoi. Ouais, vas-y, moi je fais. Tu veux prendre la bombe? Moi je fais mon truc, hein. Ok, vas-y. Au pire, on se moque le A. Allez, c'est reparti pour la SND. Voilà, on a pu écouter les joueurs overtime sur deux rounds. Et on a vu que ça leur a apparemment porté chance. En tout cas, ils ont très bien géré ces deux dernières manches et mènent désormais 4-1. Voilà, le sweep est en marche, hein, j'ai envie de dire, forcément, après cet HP très largement remporté où les KSK n'ont pu mettre que 41 petits points avant de s'incliner. On voit les overtime infliger la même sanction à leurs adversaires sur cette SND. Pardon. C'est vrai que ça a mis un round ou deux avant de se lancer, mais derrière. Ils étaient bien au rendez-vous. Niaz, encore une fois, ici, qui va venir prendre deux nouveaux kills et qui est en série de 5 maintenant. Tous les score streaks sont débloqués de son côté. Situation de 2v2 néanmoins avec Vista là, qui a réussi à réaliser deux bons kills dans cette manche. Et on voit Reflex qui a posé la bombe. Son coéquipier sur Zeus qui était assez loin. Ça l'a pas empêché de poser. Voilà, ils ont réussi à clean ce BP dans un premier temps, à poser derrière. Forcément, maintenant, ils vont essayer de garder la bombe de loin. Mais attention, on décide de push côté KSK. C'est plutôt bien fait. C'est Vista qui va venir prendre le troisième kill consécutif dans cette manche. Fleco et lui-même qui se retrouve face à Swirzo maintenant. Swirzo qui va essayer de revenir pour check cette bombe. Il va arriver peut-être au bon timing. Est-ce qu'il va pouvoir tuer le diffuseur? Et non, Vista pour l'ace dans cette manche qui va peut-être d'ailleurs bientôt débloquer des score streaks. Il n'aurait pas eu le temps de lâcher la bombe, je pense, pour laisser Vista diffuse. Ça aurait été très bon pour les streaks, mais en tout cas, grosse manche de la part du joueur des KSK. Et ça fait 4 à 2 désormais. Le break est fait, hein, toujours côté overtime. On se laisse voilà, une petite marge. On est assez confortable, j'ai envie de dire, dans cette SND côté overtime. On peut se permettre de concéder une petite manche. Attention à ne pas en laisser échapper trop non plus. RZ1, du coup, qui a la bombe et qui va partir mid-map. Le premier kill a été fait sur Tido de la part d'Abusa. Situation de 3v3 maintenant. Grâce à ce kill d'RZ1 qui va essayer d'enchaîner au niveau du cross P2, c'était pas évident.
Et on a la bombe toujours côté RZ1 et va décider d'aller poser en A. Un bon choix de sa part, puisque comme on peut le voir, le BP est assez clair. Il vérifie tout de même bien tous les recoins pour être sûr que personne ne viendra le tuer pendant sa plante. Et c'est bon, maintenant il en a la confirmation. Néanmoins, on a l'information et finalement, grâce à ce score streak, eh bien c'est Neas qui pourra prendre le kill. On a donc l'information maintenant sur les joueurs d'Overtime. En plus, Abiza qui vient de faire le kill, la bombe, c'est Vista qui la possède désormais. Il est à 337 streaks et il va réaliser tout de même un premier kill. Il va essayer d'enchaîner sur la plante direct pour essayer d'augmenter au maximum ses chances d'obtenir des streaks. Mais malheureusement, il a changé d'avis et finira par se faire avoir dans le dos par son adversaire. Les Overtime qui ont bien resserré là sur ce BPA pour tout simplement empêcher la plante. Après avoir eu l'information grâce au score streak, la bombe Aizen de Neas qui a fait très mal, qui a anéanti toutes les chances de victoire dans cette manche pour les KSK et qui va leur permettre tout simplement maintenant de s'offrir 4 balles de 2-0. Allez, 5 à 2. On verra si la première sera la bonne côté Overtime. Et Abusa qui a pris la bombe. On va donc les suivre en attaque évidemment. On va même voir si RZ a choisi à nouveau le sniper. Apparemment non, il a vu en néant qu'il n'y avait personne en B. On a transmis l'information et c'est Fleco qui va prendre tout de suite le double kill en open frag de cette manche pour tout simplement eh bien, calmer les overtime un petit peu sur leur bonne lancée. Et situation du coup d'un V4 pour Neya cette fois et non pas pour Abusa qui avait réussi à le faire tout à l'heure. On va voir s'il y arrivera à nouveau cette fois. Neya qui est tout seul, il a deux score streak, voilà, il va essayer tout de même de le jouer. La bombe néanmoins est assez loin au niveau de ce payant. Et finalement, il va tomber. Allez, 5 à 3. Un petit break d'avance, toujours pour les overtime, cette fois en défense. Donc voilà, ils ont maintenant une belle opportunité pour valider cette SND, valider le 2-0. Et on fera bien sûr du listening sur la CTF, ne vous inquiétez pas. Tido qui a la bombe et tout de suite qui va envoyer son staff au niveau du BPA. Est-ce que ça va toucher? Pas pour le moment, ça ne connecte pas. Mais attention, on a réussi à bien avancer quand même. La côté KSK, on prend possession quasiment entière de ce BP et forcément on oblige Neas et ses coéquipiers à reculer. On va devoir normalement poser la bombe assez tranquillement. Il va juste falloir garder ce fond de map. Mais Neas, encore une fois, c'est Scorstrike qui vient déranger cette équipe KSK qui pourtant avait le BP quasiment ouvert. Vista du coup qui va récupérer cette bombe, qui va essayer de la poser derrière. Fleco qui arrive à prendre le kill sur Abusa, c'est bien fait. Vista qui va réussir finalement à poser cette bombe. Il hésite un petit peu encore une fois. Voilà, il attend juste que ses coéquipiers viennent prendre la cover. Mais attention, il y a un joueur qui arrive dans son dos. Il a eu l'information, il va se retourner. Neas qui finalement prendra ce kill. Situation 3v2. La SND qui est tout proche de la fin hein, côté KSK et forcément avec la mort d'RZ1. Ça va rendre la chose encore plus compliquée pour Fleco qui se retrouve en situation de 1v3. La bombe est sur le BP. Il a ce perso à sa gauche, à sa droite, pardon. Il va prendre le premier kill. Il a encore deux joueurs éliminés, notamment Reflex ici. On a l'info, est-ce qu'il va se faire push ou pas? On hésite un petit peu du côté de Neas. On y va à deux fois, c'est compliqué. 20 secondes restantes. Il va arriver quasiment au bon moment. Il a failli prendre ce kill. Il va finalement se retourner, prendre cette bombe. Décider peut-être de la poser, il va prendre le kill sur Reflex ici. Quel shoot magnifique de la part de Fleco, peut-être pour l'1v3 et l'exploit. Il va décider de poser la bombe, je sais pas si c'était la meilleure des solutions. Il y a Neas juste à la sortie du BP qui va attendre le meilleur moment pour essayer de push. Il a débloqué son score streak et Neas qui choque mais qui arrivera finalement à prendre ce kill. On s'est fait une petite frayeur côté Overtime, mais on remporte finalement cette SND sur le score de 6-3 avec un Neas en pleine forme. 11-4 pour lui. Et surtout 2-0. 2-0. Dans cette rencontre et plus qu'une petite map à mettre maintenant côté KSK pour se qualifier pour les playoffs qui auront lieu et qui commenceront juste après ce match hein, sur le stream si je ne dis pas de bêtises. Comment? Loser des rattrapages avant sur le stream. Ok, très bien. C'est bien double élim hein, les playoffs. Parfait, parfait. Bon, fin de cette SND du coup, 6-3 score final. On va partir sur bien ce qui sera probablement la dernière map qui est donc une CTF, pardon, Flag Tower. Je peux lancer? Ouais, on peut peut-être voir justement l'action d'Abusa effectivement, ouais, que on a pu voir en début d'SND. On a un petit replay justement et on peut voir justement la fin du clutch. Il était toujours en 1v1 effectivement.
Mais voilà, il avait quand même tué Vista, Tido et RZ1 lui tout seul avant. Et voilà, là tout de suite, on prend la formation, on va se mettre à couvert. Voilà, il a le timing, il sait très bien que son adversaire est passé. Forcément, avec le son, ça aide. Et du coup, le 2-0 qui est validé sans problème. La game qui va être lancée, les amis. Flak Tower CTF pour cette last map. Probablement cette last map, du moins. Hein, je veux pas enterrer les KS4 auto, mais c'est vrai que pour le moment, on voit que ça domine très largement. Très, très largement. Du côté overtime. Allez, les 8 joueurs qui sont dans la map et Flak Tower du coup, qui sera probablement, on le rappelle, la dernière map de ce Best of 5, l'Overtime qui domine pour le moment ce Best of 5, 2-0, première map remportée, 250-41 sur le Nodox, 6-3 derrière sur Arden Forest avec un magnifique clutch 1v4 de Abusa. C'est le moment où il faut se réveiller, hein, côté KSK, on n'en aura pas deux comme ça. Dernière opportunité pour eux de rester en vie dans ce best of five, dans ce best of five, et surtout de pouvoir se qualifier tout de suite. Alors évidemment, en cas de défaite, ce sera pas non plus terminé pour eux. Il me semble qu'ils auront encore un match de loser éventuellement à remporter pour se qualifier pour les playoffs. Donc leurs chances ne seront pas anéanties, mais elles seront néanmoins bien diminuées effectivement. Ce match qui leur aurait permis d'accéder tout de suite aux playoffs, alors que là il y aura une petite marche en plus à gravir, et ça c'est pas garanti. Je vous propose peut-être de partir tout de suite sur les KSK en listening que l'on n'a pas eu l'occasion encore d'écouter depuis le début de cette rencontre. C'était Sorzo. Abusa, il va palette. Gagnez du temps les gars, bloquez chez vous, faites les clés chez vous. Abusa, il était extrême droit, je crois. On fait le kill. Non, reste moi 3 les gars, avancez, ouais, vous bloquez le niveau du mid chez eux les gars. Vous bloquez le niveau du mid chez eux. Ok. Le mid les gars. Jason, essaye d'avancer, t'avances jusqu'au baril, Fléco. Y'en a. La gauche les gars, la gauche. Il est calé, pardon. Il est mort. Il va toucher, ça va toucher. Un kill flag. Encore, ils sont canon. Restez en vie les deux. Les deux restent en vie. Il est one shot de ouf. Le flag est one shot de ouf. Il est passé, Nayaz est weak. Ah putain, middle palette. Oh, il est une balle, chez toi. Reviens, revenez chez vous, allez manger un relais. Ouh, et une balle. Gagne du temps, Tido. Gagne du temps, les gars. Faites les kills chez vous, après vous avancez, je commit. J'ai choc ma nade là. Abusa chez nous. Mid reflex. Je sais pas ce qu'il fait. Il a touché. Palette, Sarzo. Y'en avait un autre mid, hein. Oubliez-le pas, mid. Réflexe. Mid et palette. Réflexe. Nice, palette. Nice, gros taf. Mid, circle, il va push. Mid chez nous, je l'ai laissé passer. Mid chez vous. Il va être. Faut aider. À droite, Elec. J'arrive. Je prends les bâtiments. Elec. Elec, 2-3 droite. Voilà, reste comme ça, Fléco, ça gagne du temps. Essaye de prendre l'info si ça passe sweet. Ils vont passer palette, je pense. Il passe palette. Y'a un mec mid chez eux, y'a un mec. Mets de chez nous. Nice Tido, gros taf. Super Tido, t'es le best. Gros taf, frérot. Y'en a sur ta gauche, Tido, sur ta gauche. Matra. Nice, full. Regarde derrière toi, on sait jamais. Gros taf, les gars. Bloquez le sweet, les gars. Restez haut, les autres, vous avez mis moins 4. Restez haut, les autres. Pas besoin de l'accompagner. Vous avez fait moins 4, les gars. Je vais avoir des streaks. Attention, ton sweet. Nice, c'est pas grave, Zerna, tu l'as fait perdre du temps. Top à gauche chez eux, gros. Oh, il a une balle middle chez eux, deux middle chez eux. Y'en a un qui était vraiment une balle de ouf. Chez toi, Temporis. Ah bah, elle est chez eux. Gauche. Il pêche à gauche. Il touche le flag. Y'a un mec palette, extrême droite. Bloquez chez vous, les gars, faites les kills. 1-1, les gars, tranquillement. Ok, d'accord. 2-2 derrière la caisse. Encore. Gagne du temps encore. Y'en a qui a. Chez nous, middle. Au spawn, au fond middle. Il est passé au middle. Je vois pas. Encore chez eux.
Vous avez. Faut tuer le flag, faut juste tuer le flag. Top mid. Nice. Après y'avait Abusa. Nice, c'est bon, c'est bon. En gros, y'a moins 4 en décalé. En gros, y'a moins 4 en décalé. En gros. Sur zone Ayaz, les gars. Oh, une balle à droite, une balle à droite chez eux. À gauche, à gauche, à gauche. C'est sur zone. A gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Allez, Elec. Pas collé. Ouais, moi je suis pas mort. Elec, deux palettes. T'inquiète, j'ai Elec déjà. Ah, deux, trois. Y'en a deux palettes en mid. Il est dans le P1 là. Encore un mid. Quick. Je sais pas ce qu'il fait. Y'en a un droit chez nous, Ouais, tchale plus. Droit chez nous. Lâche, ça va. Gauche. Oh, une balle. Nice. Gagne du temps, Vista. Nice. Super, Vista. Moins 3, les gars. Une balle, Nayaz, mid. Il doit faire un corner. Il faut le tuer, les gars, faut pas le laisser, faut le tuer à plusieurs, les gars. Comme ça, vous pushez chez eux. Il a push, et là, il va acheter. Je rebac. Soit il est en pause, soit il a push. À gauche, ça va push. Il est marché. À gauche. Extrême gauche. Ah, deux droits. Deux palettes. Objectif, les gars, égalité à la mi-temps, les gars. On pourrait plus push chez eux. Pour les empêcher de toucher, c'est tout, les gars. Ça va, top circle. Super kid, TLVS. Y'a rien. Bâtiment. Deux à gauche, à one shot. Les gars, écoutez-moi, à la mi-temps. Vous m'entendez, les gars? Ouais. Les gars, regardez, cette map, on la joue comment? On prend tout le temps toute la largeur de la map. On avance en ligne comme ça, dans la largeur de la map. Quand y'a un trou, celui qui respawn, il prend le trou. On comble les trous et on avance ensemble. Si jamais les kills sont pas faits, on reback tous. On fait les kills chez nous, on bloque au mid. On fait les kills au mid, on bloque chez eux. On a juste à prendre le mid et les legs, on a une bombe. Hein. Ils ont aucun d'entre eux à montagne. Aucun d'entre eux. Ils savent pas qu'il y a des. Vous laissez trop, les gars, vous laissez trop le suit open à chaque fois. Vous pêchez le suit, après vous rebackez au mid. Rebackez pas au mid. Quand vous êtes suit. Important aussi, je peux le dire. Pas grave, t'inquiète. Allez, come on. C'est fini, premier side. Je pêche la droite avec toi, Alan. Qui fait quoi? Qui va où? Par contre, j'ai pas switch d'armes, j'ai une SMG. Il est bas mid. Deux à droite. Bah, ouais, je suis mort. Il y en a deux, un qui a pris nade. Il y en a deux à droite, tempo vraiment. Il bat gauche, il avance. Ok, tu l'as vu, Ok, rebac, prends ton temps. Top mid. Nice. Un bas gauche, t'as dit? Ouais, je sais pas où il est. Top mid, y'avait un mec. Top mid, il avance à droite. Resserre sur toi. Y'a un mec sur moi, mid. Minute sur moi. Il y en a un bas. Je tue. Nice, super, moins 2. Et les deux autres viennent de spawn. On attend que Vista et tout spawn. Ouais, faut faire. Il m'a push, il est top mid. Non, il est mid chez eux. Mid chez eux, Vista. Oh, oui, petit dos chez eux. Ça joue défensif à mort, c'est un truc fou. Oh merde, j'ai switch de classe. Y'en a mid chez nous, les mecs, mid chez nous. Mid chez nous, Nayaz, y'a un mec. Vista, mid chez nous, je crois. Un mec faut chez eux, plus ça. J'en ai tué un, je sors de ça. Nice, il manque un mec. Oh. Un gauche. Oh dieu. C'est pas grave, réflexe, raison. Mort. Nice, bah j'ai moins deux. Prends le contrôle à gauche. Bah vas-y, je vais prendre le contrôle à gauche. Mort. Nice, gros taf. Nice. J'ai monté top des sages. Ah, oh, il était en sneaky. Regarde-moi ça, gros. Attends, deux côté bois. Ok, Abusa, essaie de rester en sneaky et tu le sors, sinon on défend bien, ok? Ouais. Tu sors plus côté gun, d'accord, gros? Ah, dommage. Ok, j'ai spawn gauche. Un mec est passé bois. Ok, ils sont deux, ils étaient deux. Vous avez quoi? Deux bois, un gauche. Pourquoi tu check là, Tito? Mais il est con ou quoi ce joueur? On a spawn à gauche. Bombe. Il pêche chez nous, je crois. Nice. Deux sur moi. Hein. Ils sont deux sur Nayaz. Oh, week. Un ultra weak et l'autre qui est. Un extrême gauche côté bois. Nice, non, côté bois maintenant, côté bois. C'est là. Bloquez-les. Attendez qu'on spawn. Si vous pouvez pas. Je vais chez eux là, direct. Nice, voilà, parfait. Je retourne. Eh, vas-y maintenant. Parfait, bien joué. Super, voilà. Je crois qu'il m'a vu à gauche. Nice, gros taf, Nayaz. Dis-toi, obligé, non, encore. Nice. Y'en a mid. J'ai vu mid. Il barquait chez lui. Mort. Vas-y, moins 3, manque un mec. Come on. Je prends la gauche. Nice, c'est cette action qu'on veut voir. Come on. Mort, grosse merde! C'est de là que ça parle, les mecs. Mort à gauche. Il est bois, t'es passé. Nice, t'es bien, t'es bien. À gauche, encore. Il y en avait un à gauche. J'ai tout le mid. Prenez la droite. Je suis comme ça, Nayaz. La droite et la gauche, vous entendez. Je vous ai comme. J'ai la gauche. À droite, Vista, il est passé. Il y a le barrage de son mate. À gauche, fléco. Bas gauche, Nayaz, bas gauche. Mid, droite, bois, il est passé XT chez nous. Vista, droite. Nice, c'était lui. Y'a un mec, vous allez tuer le mec XT? Bois? Non. Il est en sneaky, Vista. Ouais, il est dans les legs. Je vais peut-être avoir des streaks. Tu l'as eu? Un bat dans les legs, devant à gauche là. Maman. À droite, j'ai le piégé. De manière quotidienne, il manque un mec.
Il manque un mec. Voilà, t'as mis, t'as mis. C'est à la gauche, c'est à la gauche. C'est à la gauche, donc dis-toi, ça va devenir attends. Fléco, lui, super bien. Ouais, j'ai devant moi, Alan, je suis un de stock. Vas-y. Bas gauche, bas gauche, bas gauche. Nice. Déjà, il était weak, nice. Vas-y, agressé. Y'a un mec à gauche, à but. Ah, je t'ai mis des balles. C'est un, pas grand. Ah, mi, tu vas tuer, mi. Les gars, junior, je vais à la gauche, il vous flanque. What? Sort, ah, il le sort de ça, il le sort de ça. Oui, une balle au-dessus de moi. Nice, gros taf, Nias. Mid chez eux, mort. Moins 3. J'ai full des 16. Il manque un mec, il est mid chez eux, je crois. Nias full des 16. J'ai un streak. Mid chez eux. Il vous cup. Nice, parfait, voilà. Tu mets un streak pour les spawn. Deux sous. Je te dis où ils sont. Y'a, ouais, un mec shoot, Alan. Un mec shoot là qui vient de passer. Je le tue. Fléco, il est passé. Mort. Un dernier, c'est mon tueur. Nice, gros taf. Je le ressors bois. Ouais, mais top gauche. Je suis bois, les gars. Nias, va l'escorter, j'ai le mid. Un mec à gauche, extrême. Ah, ils sont deux à gauche, chez nous, deux à gauche. Ils vont sur notre flag, Encore. C'est RZ1, je crois. Nice, Nias. Nice, bien joué. Il manque un mec. Bon, mets-le, t'inquiète, il est pas là. Eh, j'attends qu'il spawn et je renvoie un streak, ok, les potes. Vas-y, moi je. Ah, je vois là, c'est juste un streak. Y'en a mid. Ok, je renvoie un streak chez eux. Il est peut-être à gauche, non? Comme moi, Nias. Ça va, il est mal. Big gun. Ouais, Big gun, suit. Big gun et je sais pas les autres. Bas droite. Fois chez eux, droite. Il est mort. C'est bon, sors-le. Ok, on en a un, on a pas l'info. Ah bah, c'est lui. Je mets un streak. Courez. Fond chez eux, un. Un qui a spawn sur moi, Big gun. Il est weak, mort. Et je vois plus après. Ok, je vais le sortir, Big. Ah, sors le mid. Allez, quitte la game. Victoire donc de Overtime 3-0, 5-1 sur cette CTF, grosse victoire, et voilà, on s'y attendait. Forcément, on vous a laissé profiter un peu du Gustavine, c'était voilà, une game, encore une fois, sans cynique, même si le premier side avait été assez serré, pardon, ça s'était terminé sur un partout, 6-1 même, pardon, score final, ils ont marqué un flag dans les derniers instants, voilà, belle victoire. On va se retrouver dans quelques instants pour un match de loser bracket, du coup ce sera, est-ce que les KSK restent sur place du coup? Ouais, ils vont jouer contre les Lakers. Il y a eu plein de nouveaux trucs hein, depuis que je suis parti, c'est cool. Lakers, donc KSK, prochain match de loser bracket et je serai rejoint par Arojo donc pour la suite de cet event qui était déjà toute la matinée. Il a pris une petite pause. On va se retrouver donc dans quelques instants, nouveau BO5, qualificatif encore une fois pour les playoffs. Et ce sera le dernier match et après on commencera donc ces fameux playoffs. A tout de suite. With sleek, curved screens and incredible resolutions, the ViewSonic VX58 series of monitors deliver an incredible viewing experience and complete viewer engagement perfect for gaming and entertainment. Thanks to expansive 1800R wide screens, available in a full HD 27-inch model or quad HD 32-inch model, these curved monitors deliver an immersive wraparound view that transforms flat gaming worlds into panoramic odysseys. What's more, with a quick 144Hz refresh rate and AMD FreeSync technology, these monitors virtually eliminate screen tearing and stuttering for a fluid gaming experience. Beyond gaming and entertainment, our VX58 monitors are also great displays for increased comfort and productivity at work. With sleek, concave screens and ultra-thin bezels, these monitors let you see more and do more, while flexible connectivity options may include VGA, HDMI, and DisplayPort, depending on model size. For more information, visit ViewSonic.com.